Ladies and gentlemen, please welcome, introducing... Bonjour, je m'appelle Vladis Sepang, je fais du taekwondo, ça part mal. Colin, je fais du kayak de course en ligne depuis trop longtemps. Je suis en équipe de France, j'ai bientôt 32 ans, je suis trop grand, je suis trop musclé, je suis hyper balèze. J'arrête pas d'aller dans une salle de muscu parce que moi j'aime mon corps. Non, je fais un petit 45 un tiers, mais petit, hein, pour quelqu'un qui fait 2 mètres, je suis plutôt satisfait de ça. Et j'aime pas les champignons. Célibataire. 06 62 41 61. Non. Palmarès, je suis champion du monde kayak 4 places 1000 mètres en 2010. Vice-champion du monde kayak 4 places en 2009. Sixième au jeu, bon, pas de chance. Et champion du monde 2007 en kayak 10 places 1000 mètres. Pour l'instant, ça va. Ça va. Il y a quelques 4 ou 5 années, j'ai pas à me plaindre. Et je suis plutôt loti, quoi. Bien loti. Golf, un peu, mais c'est une passion pour moi, mais pas pour les gens qui jouent devant ou derrière ou à côté, donc c'est un petit peu chaud, mais je vais y mettre proprement. Le cœur. Pourquoi? Parce que tout le monde en a un. Parce que le cerveau ne peut pas dire ça de tout le monde. Non, j'y arrive pas. Est-ce que tu peux embrasser ton coude? Non, non plus. Alors si tu la poses, on ne peut pas embrasser son coude. C'est impossible. Non, mais essaye, vas-y. Tu vois bien? C'est impossible. Demande à tous ceux qui passent, tu verras, ils n'y arriveront pas. Désolé pour ceux qui passent après. Je serai la barre dans le métro. C'est bien marré. C'est dégueu, mais quand même, le nombre de personnes qui ont déjà touché la barre du métro. Eh, finalement, ah ouais, bon, il y a des gens qui posent leurs mains, c'est pas assez crade. Mais quand même, ça marque que c'est l'objet le plus touché au moins à Paris, quoi. Courage, parce que quand même, il a l'air d'y avoir beaucoup de schtroumpfs et pour se reproduire, il a bien fallu qu'elle ramasse un peu. Non, sinon, c'est un beau truc pour les enfants, quoi. À 20 à 100 péril, on triomphe sans gloire. Donc en gros, tu te sors pas les doigts, on verra jamais. Les doigts de tes poches, pour pouvoir tailler, par exemple, ou pour pouvoir faire quelque chose d'autre. Une nana qui croise un mec dans l'ascenseur et donc du coup le mec il tente d'appuyer, il lui demande tiens vous allez à quel étage? Et la nana elle dit je vais au troisième faire un don du sang. Et puis le mec il dit bon ça tombe bien, moi je vais au cinquième faire un don du sperme quoi. Donc ils montent, hop, ils font leur don machin. Une semaine après le mec il y retourne, il recroise la même nana et il lui dit vous allez faire un don du sang? Et la nana elle fait désolé maman.